Vous regardez New Haddam Forum, merci de nous rejoindre pour l'invité. C'est un nouveau-né dans le paysage politique au Togo, attendez par là, un nouveau parti politique qui vient de voir le jour à un peu plus d'un mois des élections législatives et régionales. Il s'agit du mouvement togolais pour la restauration MTR qui a été lancé officiellement le 24 février. Qui en sont les dirigeants et surtout, quelle est la vision du MTR? On en parle avec notre invité. Docteur Jean-Emmanuel Niano, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour et merci pour l'opportunité de venir parler déjà du mouvement togolais pour la restauration. Mais d'abord, cette triste nouvelle, le Togo vient de perdre ce dimanche un homme politique chevronné, ancien Premier ministre, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Docteur Kodjo Agbeyome du MPDD. C'est quelqu'un que vous avez connu personnellement? Bien sûr, je voudrais saisir cette occasion véritablement pour m'incliner aussi devant l'illustre disparu, la mémoire de l'illustre disparu. Docteur Agbeyome Kodjo est un homme politique qui a fait ses preuves au Togo. C'est vrai que ses appréciations peuvent être diverses, mais un homme politique reste un homme politique. Il apporte sa pierre à la construction nationale. Mes souvenirs remontent avec Dr Agbeyome Kodjo en 2020, avant les élections présidentielles, l'élection présidentielle 2020. Il me souvient qu'il m'avait reçu, on avait échangé, j'étais candidat déclaré en 2020 à l'élection présidentielle, donc c'était dans ces entrefaites. On a quand même eu des entretiens, des échanges. Je me souviens bien de l'homme, des ambitions de l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, le Togo peut pleurer un grand homme d'État qui aurait pu également contribuer à asseoir un Togo nouveau dans notre pays. C'est un fils qui est décédé. Paix à son âme. Paix à son âme. Docteur Jean-Emmanuel Niagnon, donc vous aviez été candidat en 2020 alors que vous étiez membre à l'époque d'un parti politique. Aujourd'hui, vous lancez un nouveau, à votre, dont vous êtes le nouveau leader. Justement, dites-nous, qu'est-ce que le mouvement togolais pour la restauration et quelles sont vos motivations? Il faut dire d'entrée de jeu que depuis 2020, nous sommes partis déjà d'un constat, un constat qui nous faisait déjà comprendre que le débat politique togolais, à un moment donné, s'est enlisé. Depuis 1990, il existait un narratif politique qui a fini par diviser l'opinion nationale de façon presque irréparable. Nous sommes de la génération 1980 et puis notre lecture de la situation politique n'est pas forcément la même lecture que, en tout cas, les aînés auraient pu avoir. C'est pour cela que déjà en 2020, nous avons fait ce constat amer que le Togo, il s'est créé une sorte de bipolarisation, et puis avec des polarités énormes au niveau du pays, ce qui fait que les passerelles de discussion et d'échange étaient presque devenues difficiles. Nous avons compris qu'il fallait un nouveau discours politique, un narratif nouveau qui puisse créer le pont et surtout qui intéresse mieux la nouvelle génération. Et en 2020, la dynamique Togo Restauration nous avait porté pour que nous puissions véritablement incarner ce nouvel espoir de la nouvelle génération. Malheureusement, il vous souvient bien évidemment que nous n'avons pas, notre dossier n'avait pas été retenu. On va en revenir. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que c'est sur cette dynamique-là que nous sommes partis pour continuer à faire mûrir bien évidemment les idées et surtout avec les jeunes de la génération et comprendre qu'aujourd'hui nous pouvons faire quelque chose qui puisse créer plus d'espoir, d'optimisme pour le peuple togolais. Une nouvelle génération donc de leaders politiques qui cherchent à s'affirmer. Vous l'aviez bien cité, depuis 1990, les choses ont bien évolué sur la scène politique au Togo. Beaucoup d'autres partis politiques ont vu le jour. Aujourd'hui, le pays peut compter une centaine de partis politiques, mais pourquoi est-ce que vous n'aviez pas donc choisi de participer donc à la réforme d'un ancien parti politique plutôt que d'en créer un nouveau? Vous savez, la règle politique togolaise est
a aujourd'hui une configuration qui montre quand même que de part et d'autre, des idées sont là, mais il y a, pour nous, il y a beaucoup d'idées politiques qui sont devenues sclérosées, complètement sclérosées, et il était important que nous puissions créer une nouvelle dynamique de pensée politique qui puisse proposer une refonte ou alors une réforme du système politique. Vous savez, ce que nous pensons jusque-là, c'est que le système politique qui a régenté le Togo, quand nous parlons du système politique, nous considérons l'ensemble de tous les acteurs, mais le système véritablement qui a été implémenté au Togo depuis 90, avec le vent de la démocratisation, ce système politique, selon nous, est devenu complètement caduque. Et pour pouvoir donner une nouvelle chance au débat politique de prospérer véritablement vers le progrès, vers l'émergence, vers la paix sociale de façon durable, il faut alors un nouveau narratif qui essaie d'abord de créer, n'est-ce pas, une sorte d'osmose et qui permette mieux une certaine fédération des énergies pour aussi relire notre propre histoire politique avec des lunettes d'aujourd'hui. Vous savez, les partis politiques qui ont cours, qui sont en activité dans notre pays depuis 90, aujourd'hui malheureusement portent les relents des soubresauts, des réminiscences, des blessures et des pathologies, des douleurs de 90. Ce qui fait que, à notre analyse jusqu'à aujourd'hui, il leur est malheureusement difficile de se dissocier de cette réalité quelquefois tragique pour pouvoir aller vers d'autres rivages politiques et essayer d'apporter du nouveau aux concitoyens. Pour nous, aujourd'hui, nous avons une offre politique nouvelle. L'offre politique que nous avons... Justement, parlons d'offre politique. Quel est l'espoir que vous voulez incarner au sein du MTR, puisque je me rappelle donc, à l'occasion du lancement officiel du parti dans votre adresse, en tant que premier leader, vous aviez délivré un message d'espoir aux militants, aux sympathisants de ce parti, qui a été justement relayé dans les médias. Quel est cet espoir-là que vous... vous entendez incarner aujourd'hui? Nous pensons que le Togolais doit pouvoir vivre mieux chez lui, tout en espérant que les gouvernants soient des gouvernants qui lui garantissent le bien-être général, qui lui garantissent la paix sociale, la stabilité et surtout qui lui permettent également de s'épanouir au Togo en tant que Togolais, tout en jouissant également de la protection des droits de l'homme et aussi et surtout tout en étant témoin de la gouvernance transparente. Et nous estimons qu'aujourd'hui, avec les propositions, avec les nouvelles idées novatrices que le MTR est en train d'initier, nous pourrons alors agir suffisamment sur le système politique pour permettre que le Togolais soit au centre des préoccupations. Parce que pour nous, essentiellement, lorsque nous considérons le Togolais au centre des préoccupations de notre vision progressiste et socialiste, nous pensons que c'est à base seulement de cette idéologie politique que nous pourrons alors remettre le Togolais dans les préoccupations véritables pour un progrès humain et surtout pour un développement durable et également pour le développement humain intégral. Voilà un peu ce que nous pensons et au regard de toutes ces thématiques, nous incarnons véritablement le nouvel espoir de notre génération. Vous êtes un ancien collaborateur de Maître Dodia Pivon, des Forces démocratiques pour la République, FDR, un parti duquel vous aviez été exclu en 2020. Comment comptez-vous aujourd'hui incarner un nouveau leadership politique? Notre rapport avec les Forces démocratiques pour la République, FDR, en réalité, ne sont pas tumultueux. Parce que nous n'avons pas, dans le fond des choses, un problème personnel avec le leader de ce parti, Maître Paul Dodia Pivon, que nous respectons absolument. Mais nous pensons tout simplement que, en réalité, il y avait un besoin essentiel d'aller vers une autre dynamique. Et le président Maître Pivon et moi-même, nous avions eu le temps à ce moment-là d'en discuter. Et je lui ai fait part de ma vision nouvelle des choses parce que les FDR avaient également leur dynamique et pour nous, en ce moment, nous avons estimé que ce n'était pas la voie pour pouvoir apporter des solutions viables, pragmatiques
à la question politique togolaise. Et donc aujourd'hui, il suffit seulement d'œuvrer pour convaincre. Convaincre que le Togolais comprenne qu'en réalité, le débat politique doit pouvoir créer des passerelles pour pouvoir discuter, pour pouvoir être plus ambitieuse, pour pouvoir, en tant que parti politique, pour être plus ambitieux, en tant que visionnaire, pour pouvoir également rassurer plus les Togolais. Nous ne pouvons pas, en notre sens, avoir un mouvement politique et ne pas vouloir, par exemple, aller plus loin pour répondre, pour être acteur au cœur même des prises de décision, des instances de prise de décision. Justement, mais on a connu dans ce pays également des partis politiques qui ont boycotté des dialogues, mais aussi des élections. Comment est-ce que au MRT vous vous préparez à ces situations? Les militants et les leaders du MTR ont la foi en la discussion, la foi dans le dialogue. Notre foi la plus sacrée se trouve également dans les discussions, dans les concertations, pour que nous puissions, à un moment donné de notre histoire, lorsque cela s'impose, que nous puissions également avoir des opportunités de discussion et de dialogue. Et c'est pour cela que nous sommes les filles et les fils de la même nation. Et les clivages qui sont beaucoup plus exacerbés, notre intention est d'agir sur les consciences, œuvrer essentiellement pour pouvoir beaucoup plus créer des connexions parfaites et qui permettent que, entre les Togolais, que nous puissions toujours trouver les passerelles appropriées et résoudre nos problèmes. Tant que nous ne sommes pas parvenus à cela, nous ne pourrons pas créer l'idéal là, accomplir cet idéal de paix sociale, de cohésion sociale, mais surtout de vivre ensemble, qui en réalité demeure pour nous également une thématique centrale dans notre philosophie politique. Le vivre ensemble pour nous, c'est également un objectif, c'est un défi à relever. C'est pour nous permettre de pouvoir savoir qu'en tant que Togolais, le nouveau discours, le narratif nouveau pour nous en tant que politique, c'est de pouvoir créer ces passerelles et de pouvoir permettre également que les clivages soient de mieux en mieux complètement effacés et permettre que, entre Togolais, nous puissions avancer main dans la main pour créer le nouveau Togo hors de l'humanité, tant rêvé par les anciens, les fondateurs de notre nation, jusqu'à nous aujourd'hui. Vous avez des ambitions, même au-delà des frontières togolaises. Vous soutenez qu'il est nécessaire d'avoir une Afrique de notre œil. Vous prenez l'unité pour créer une Afrique nouvelle. Finalement, quels sont au MTR vos ingrédients aujourd'hui pour réussir là où vos devanciers ont manqué de marquer leur passage? L'Afrique nouvelle, vous voyez déjà aujourd'hui, avec la géopolitique qui est très mutante, qui est en train de changer, avec des dynamiques souverainistes, avec la protection de la souveraineté des États africains, il y a beaucoup de ces élans qui sont aujourd'hui remarqués sur le continent africain. Il suffit seulement de voir ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina, pour comprendre que nous sommes en train d'entrer véritablement et irrévocablement, irréversiblement dans une nouvelle ère politique du continent africain. C'est toute une génération qui porte ce devoir sacré de pouvoir redonner à l'Afrique cet espoir. Et donc, au niveau du MTR, nous sommes déjà même en relation avec beaucoup de partenaires sur le plan international pour pouvoir contribuer essentiellement à ce renouveau politique en Afrique, pour contribuer aussi à l'émergence de l'Afrique nouvelle dont nous sommes en train de parler. L'Afrique que les Patrice Lumumba avaient rêvé, nous pouvons encore aujourd'hui y travailler. Et pour nous, au niveau du mouvement togolais pour la restauration, ce n'est pas pour rien que nous pensons la restauration. Parce que nous, le continent a été dévoyé. Et aujourd'hui, nous devons ramener le continent sur la voie de son développement et tout en consacrant encore la dignité des peuples africains et tout en donnant de l'espoir à notre génération. Au lancement du parti, MTR était présent des figures de la classe politique togolaise, de la Côte d'Ivoire ou encore de la Guinée. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce qui se passe, la situation de crise sociopolitique, notamment au Sénégal, où la situation actuelle tend à mettre à mal la démocratie tant prônée dans ce pays? En tant que parti de l'opposition, très souvent les revendications de la gauche, c'est l'alternance et aussi le maintien de la démocratie. Comment vous analysez cette situation aujourd'hui au Sénégal?
C'est malheureux, c'est dommage ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, alors que nous connaissons, que nous savons que le Sénégal a depuis un moment la tradition, une certaine tradition démocratique. Et c'est un défi pour le Sénégal aujourd'hui de pouvoir transcender cette dynamique, ce problème où malheureusement c'est comme une sorte de malédiction en Afrique, les tripatriages constitutionnels, chaque fois qu'un mandat pratiquement vient à terme, des gymnastiques extraordinaires sont faites pour pouvoir encore tripatrier la constitution. Je crois que ce qui se passe au Sénégal doit encore renseigner. Nos États africains ont montré beaucoup de fragilité depuis un moment, d'autant que nous parlons malheureusement de ces États-là comme des États fragiles, parce que les institutions, les garde-fous, les mécanismes, les instruments qui doivent être mis en branle pour pouvoir protéger les institutions dans nos États sont malheureusement des garde-fous qui sont fragiles, et c'est dommage. Donc nous croyons que au niveau du mouvement togolais pour la restauration et puis également avec nos partenaires, nos réflexions sont également dans ce sens-là, pour œuvrer pour que nous puissions contribuer suffisamment à créer des conditions pouvant permettre que les institutions soient fortes et que ces institutions soient protégées et que la constitution dans nos États soit véritablement protégée pour que nous puissions garantir à chaque fois la paix sociale. Vous savez, lorsque nous n'avons pas suffisamment garantir la paix sociale dans nos pays, nous ne pourrons pas asseoir un progrès conséquent et surtout avoir la garantie de l'émergence. Alors qu'aujourd'hui, quand nous voyons le monde entier avec les mutations géopolitiques en cours aujourd'hui, nos États ont besoin de stabilité pour pouvoir avancer. Donc, nous avons besoin de mettre en branle, de mettre en œuvre des instruments, des mécanismes pour pouvoir avoir une gouvernance apaisée et permettre que nos États également puissent espérer en matière donc d'émergence. Alors, docteur Jean-Emmanuel Mignagnon, nous sommes à un peu plus d'un mois des élections législatives et régionales au Togo. Votre parti, le MTR, vient d'être lancé officiellement. Est-ce que vous avez des ambitions par rapport à ce scrutin? Les élections sont effectivement annoncées. Nous examinons encore, parce que nous venons tout simplement, tout juste de lancer notre parti. Nous examinons encore la situation politique. Nous avons encore du temps pour penser à ça, un peu de temps. Mais je crois quand même que, en matière donc d'organisation de ces élections dans le pays, nous avons également relevé quelques insuffisances, notamment le fait de coupler ces élections avec les élections législatives et les élections régionales. Parce que pour nous, les élections régionales auraient pu être organisées séparément. C'est la première fois que nous allons faire cette expérience et il serait... L'expérience d'un double scrutin. Voilà. Et il serait judicieux plutôt que nous puissions d'abord organiser les élections législatives dont nous avons déjà la coutume et ensuite coupler plus tard les élections régionales avec les élections municipales en 2026. Et nous pensons que cela aurait aidé beaucoup plus l'opinion nationale et surtout le corps électoral. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons également que la CENI ne communique pas assez. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour vous, permettre à vous, en tant que parti naissant, de mieux vous préparer? Oui, nous préparer bien sûr, mais pas forcément à ces échéances prochaines. Nous préparer bien sûr, mais nous voulons également peut-être observer. Et nous encourageons donc d'ores et déjà la CENI et puis tous les acteurs qui seront impliqués dans l'organisation de pouvoir œuvrer suffisamment pour que la paix sociale soit sauvegardée, parce que pour nous la paix sociale, la stabilité compte beaucoup, et donc nous allons observer comment est-ce que ces élections vont s'organiser, comment est-ce que cela va s'implémenter, et nous allons également à des moments donner notre avis pour ces prochaines séances. Mais c'est pour dire quand même que ce n'est pas que nous ne sommes pas intéressés par les élections, mais nous pensons également que la gouvernance, une gouvernance réussie, transparente, peut beaucoup plus également apporter à notre pays. En tout cas, vous êtes un leader politique très jeune et président d'un parti politique naissant. Quels sont vos rapports avec vos camarades d'autres partis politiques? Nous avons beaucoup de relations amicales, très fructueuses, avec d'autres partis politiques sur le territoire national,
avant même que nous ne puissions constituer le parti politique, nous étions déjà un mouvement et nous sommes beaucoup plus présents et très déterminants sur la scène politique depuis 2020, comme vous le savez d'ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec soit des partis politiques sur le plan national comme sur le plan international. Maintenant, l'essentiel, ce n'est pas beaucoup plus les rapports avec les partis politiques, mais avec les rapports avec le peuple. Et nous, nous avons de bons rapports avec les populations, avec les jeunes de la génération. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du dividende démographique, vous allez comprendre que en réalité, dans nos pays, les jeunes sont majoritaires. Justement, parlant de jeunes et la politique, comment jugez-vous ici au Togo en particulier la participation ou l'implication des jeunes ou de la jeunesse dans les affaires de gestion de la cité? Il faut dire que la jeunesse a quelques démarcation avec la chose politique au regard de notre histoire politique, parce que malheureusement notre histoire politique a été ponctuée de beaucoup de violence depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, lorsqu'ils font leur expérience de la politique, malheureusement c'est une expérience amère, ce qui fait que la politique a très souvent été malheureusement assimilée à la violence. Et c'est ce que nous, on veut éviter aujourd'hui. Mais vous, quel a été votre secret, puisque vous avez été, malgré votre jeune âge, vous avez été candidat à la présidentielle en 2020. Aujourd'hui, vous êtes élu local dans la commune Lac 3. Et comment est-ce que vous arrivez à tenir le cap? La politique, c'est aussi un appel. Nous continuons chaque fois de dire que nous ne sommes pas venus en politique parce que des gens sont en train de faire la politique. Nous sommes appelés pour la politique. Nous sommes appelés par notre génération, par l'histoire, pour agir et contribuer. Et cela peut être particulier. Mais nous ne pouvons pas rester dans ce particulier. Notre vision, c'est que tous les jeunes, toute la population puisse s'intéresser à la chose politique. Parce que la politique, c'est l'art de gouverner, c'est l'art d'organiser la société, mais c'est la contribution au débat politique, au débat d'avancement, d'émergence et de développement. Donc, notre action déterminante, c'est de pouvoir également faire comprendre à la jeunesse que la chose politique nous intéresse. Et que si l'Afrique, si nos nations doivent pouvoir émerger véritablement, c'est que nous devons avoir également une population qui ait une compréhension déterminante, approfondie de la chose politique. Non pas toujours en assimilant la chose politique à la violence, mais plutôt à la gestion parcimonieuse, la gestion déterminante de l'État, de la société, pour que nous puissions véritablement créer le bonheur partagé, la prospérité partagée. Et donc pour nous aujourd'hui, nous sommes en osmose parfaite avec notre génération. Nous sommes en connexion parfaite avec notre génération et nous incarnons les idéaux les plus sacrés de cette génération. C'est pour cela que nous sommes la solution pour notre pays. Au MTR, vous aviez décrété 2024 une année de l'unité, au rendez-vous, de l'ultime rendez-vous, vers la restauration nationale. À quoi doivent s'attendre les Togolais? Les Togolais doivent déjà commencer par comprendre que nous sommes en train d'arriver. Et cela sera irréversible. Le Togo sera appelé à être restauré, c'est-à-dire à être ramené sur la voie de sa destinée politique qui l'amène tout droit vers l'ordre de l'humanité. Et nous sommes la solution. Nous sommes la solution pour pouvoir créer cette euphorie générale de la réalisation des attentes et des rêves de tous les Togolais. Vous savez, le 24 février passé, une étape importante a été franchie pour la restauration du Togo. Comme nous l'avions annoncé, nous avions dit que cette année, c'est l'ultime rendez-vous pour la restauration nationale. En début d'année, dans nos voeux de bonne année au peuple togolais. Et donc, le 24 février, le MTA a été porté sur les fonts baptismaux. Nous sommes sur le chemin, nous arrivons, et pour nous, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Togo. C'est une ère de fraternité, de concorde, de paix, de vivre ensemble. Et c'est une ère également où notre rêve le plus sacré, c'est que ce que tous les Togolais attendent, que nous puissions nous retrouver sur une sorte de tente jubilaire pour pouvoir célébrer un jour dans notre pays, très prochainement, l'alternance politique dans notre pays. Et pour terminer, docteur Jean-Emmanuel Nyagno, quel est votre parcours politique dit jusqu'ici de façon très brève? Je peux dire que Dr Jean-Emmanuel Nyagno a été d'abord membre du parti politique Justice et Dignité en 2007 en tant que délégué national des jeunes. Ensuite, j'ai rejoint pratiquement les forces démocratiques pour la République
J'ai été d'abord le président du congrès constitutif de ce parti et ensuite secrétaire national chef de la communication de ce parti. J'ai travaillé avec M. Paul de Diatdevaux. Après, j'ai pris mes distances vis-à-vis de ce parti pour m'éloigner un peu du carcan politique parce que pour moi, en ce moment-là, je ressentais un devoir de génération qui m'appelait à repenser la chose politique autrement et en proposant un nouveau narratif politique à notre nation. Et lorsque j'ai pris le temps de 2020 jusqu'à aujourd'hui, j'ai effectivement fait mûrir cette idée politique pour qu'aujourd'hui on soit capable de porter sur les fonds baptismaux le mouvement togolais pour la restauration. Et donc pour notre expérience politique, nous sommes encore jeunes, mais nous sommes remplis. Et je crois que seuls ceux qui sont appelés à faire la chose sont bien bâtis pour faire, comme on peut le dire, aux hommes bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Je suis actuellement maire adjoint dans la commune Lactoire à Boudrafo. Je continue de travailler avec nos concitoyens, de les conscientiser à la chose politique et nous nous préparons au rendez-vous les plus importants de notre nation. Et vous êtes aujourd'hui donc porté président du mouvement togolais pour la restauration MPR, dont vous êtes le principal leader. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions sur NIOD Info 1. C'est un plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur NIOD Info 1.